Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Dyson Sphere Programme et j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va attaquer, donc, en tout cas, partir sur la création de nos éléments de information matrix. Donc ça va être l'objectif de cet épisode. J'espère qu'on arrivera à le faire en un épisode, sinon ce sera l'objectif de nos deux prochains épisodes. Aujourd'hui, on va s'attaquer, en tout cas déjà, on va essayer de commencer par ce petit élément de graphène, donc graphène avancé. Et vous voyez qu'on a besoin, donc c'est du Fire et Ice. Et en gros, vous allez voir qu'on le trouve, sur plusieurs planètes. Ce sont des ressources plutôt rares. Donc là, je suis actuellement, je vais vous montrer, je ne suis pas sur notre système solaire d'habitude. Je suis sur Merge, nous sommes... Normalement, nous sommes sur Périte, Pfeiffer, voilà, nous sommes ici, et là je suis sur Maigre. Donc, je suis venu ici pour récupérer cet élément, et surtout aussi pour mettre en place sur une de nos planètes, si je reprends de nouveau M, puis que je redézoome, nous avons une planète qui est, je crois, Merge 1, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui a des océans de sulfure et j'ai mis un système pour récupérer le sulfure des océans. Donc vous avez des océans comme ça d'eau, mais au lieu que ce soit de l'eau, c'est du sulfure. Et pourquoi on le fait? Parce que tout simplement, pour certaines choses, on en aura besoin. En fait, je crois que j'en ai besoin pour... En fait, j'en ai besoin que pour un. Pour une chose, je crois que c'est le graphène. Mais le problème, c'est qu'il nous faut du charbon et c'est plutôt compliqué. Alors, on va l'utiliser. On va utiliser en fait ceci plus en gros ce qu'on a à côté. Donc, on aura deux éléments où on pourra fabriquer du graphène. On va voir comment on va gérer ça. On va déjà faire celui-ci. Alors, il nous faudra déjà un élément qui s'appelle une mineuse. Bien sûr, je pense que j'en ai pas sur moi. Donc, pourtant, il me semblait que j'en avais fait un tout petit peu pour que je puisse venir. Bah c'est pas le cas, donc je vais en faire plusieurs. Hop, en attendant, on va essayer de bien les poser pour récupérer un maximum, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le minimum qu'on doit en mettre. Est-ce qu'on arrive un tout petit peu la tourner juste pour récupérer ce qu'on a besoin? Là c'est bon. Alors là ça va être compliqué. Quoique, peut-être pas. Parfait, là on en a beaucoup. Et encore ici, une pour récupérer tout ce qu'il y a là. Alors je faut juste pas que... Je vais peut-être enlever celui-ci pour ne pas être dérangé. Hop, celui-ci. On va le tourner. Et on est bon. Alors... Une fois qu'on a ceci, on va déjà alimenter le tout. Alors, je pense pas que j'alimente tout le monde. Voilà. Non, même pas. Et ben, hop, on a encore un petit poteau ici. Ok. Donc maintenant qu'on a ceci, on va donc mettre des super tapis roulants. Alors, on va essayer d'utiliser... Est-ce que je peux lancer la fabrication de ceci? On aimerait quelques-uns en plus. Tac, on va revenir, remonter. Voilà, on redescend. Donc on en a pas beaucoup, hein. J'ai pas pris beaucoup de matériel avec moi. Je suis un petit peu bête, mais normalement ça devrait suffire. Alors 11, ça veut dire jusque là. Hop, on en a encore, c'est parfait. Et ici, voilà. Alors, maintenant qu'on a ceci, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? C'est qu'on va passer sur un autre type de convoyeur. Un élément plus rapide. Puisque, on va regrouper en fait les deux. Comme ça, on est sûr. Et ce qu'on devra faire, c'est qu'on devra transformer cet élément donc de Fire... c'est Fire Ice en... élément de graphène. Pour ceci, on sera obligé de passer par ce qui est les chimical plantes. Donc, 1, 2, 3. On va faire le calcul après, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas dessus.
le ratio de fabrication, voir si on est bon. Alors, on sélectionne ici cet élément et on ne sait pas du tout le nombre qu'on peut en sortir. On alimente, moi je mets déjà mes petits bras. Hop. Alors, un petit chat dans la gorge. Tac. Hop, on met ça de ce côté, de ce côté. De tout ça, je vous conseille de prendre ceci parce que j'espère qu'on en sortira assez. Par contre, on va pas aller trop loin avec les productions. Faut qu'on fasse attention un peu à la quantité d'objets. Ici, j'ai déjà la tour qui est prête. Donc celle-là, on va pouvoir la positionner par ici. Donc là, c'est tout ce qu'on va envoyer à l'intérieur. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que avant d'alimenter notre tour, on va mettre un stock. Alors, le stock... on va faire quelque chose comme ça. Hop, et on vient ici dedans. Alors, tac, voilà. Comme ça, ce sera pratique. On aura un stock déjà sur la planète. Et surtout, jusqu'à ce qu'on ait, on donne le courant à notre système de gestion de station, on pourra remplir. Parce que la station, le problème, c'est qu'il faut qu'on génère du courant. Et surtout, le problème, c'est que vous allez voir, et c'est maintenant que vous allez comprendre, c'est que on va ressortir de l'hydrogène, les amis. Et cet hydrogène, il faut qu'on l'a dissous, qu'on l'utilise pour faire quelque chose. Alors par contre, je sens qu'on va être emmerdé au niveau des ressources, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, au pire je ferai des ellipses pour aller chercher sur une des planètes, là je fais un peu de fer, un peu des trucs, donc c'est pas un souci. Alors, on va mettre des machines ici qui vont être connectées. Alors je vais déjà mettre je vais utiliser celle-ci, c'est plus simple. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Quelle merde. C'est jamais à la bonne place. Attendez, je vais reprendre mes tapis roulants. Hop, comme ça, on est juste. Voilà. Hop. Hop, et je mets de l'autre côté. Alors là, on sera vraiment obligé, les amis, à dissiper cet hydrogène qu'on va produire. Hein. On ne pourra pas du tout la garder. Est-ce qu'on pourrait la stocker? Oui, on pourrait la stocker pour qu'on puisse venir la chercher. Ce serait une solution, mais on reste toujours avec le problème qu'il faut la dissiper à un moment. Donc, on n'a pas trop le choix. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à mettre les éléments de sortie ici. Donc 1, 2, 3, et on va faire ici, attendez, comment on faisait, voilà, 7 filters, on va dire, alors attendez que je réfléchisse, que je dise pas de bêtises, c'est ceci, ok, shift, j'aurais dû faire ceci dès le début, hop, je vais enlever les autres, hein. Shift, comme ça, en fait c'est déjà copié, c'est plus simple. On va juste contrôler, effectivement c'est bien mis, et on va utiliser celui qui est ici, cet filtre pour... Ah bah non, hydrogène, on va aller ailleurs avec. Ah c'est bon, hop, j'ai mon élément, hop. Alors dis-moi que j'ai assez pour faire tout le tour. Jusque là, on va monter... Vas-y, fais un tout petit peu plus, s'il te plaît. Parfait, on peut redescendre. Dommage, on peut pas encore redescendre. Il en fabrique encore. Il en fabrique plus, on n'en aura pas assez. Bah, c'est pas grave, on finit de faire déjà ce qu'on a à faire ici. Tac, ça je vais enlever. J'irai chercher vite les ressources. Sur la planète d'à côté, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai fait une petite usine de fer et de cuivre. Donc on aura ce qu'il nous faut. Et ici, on peut mettre ceci. Vous faites shift, clic dessus. Et vous ressortez les petits objets. Alors déjà ça, on peut gratter. C'est gagné. J'espère que ça tombera dessus. Ici,
On peut gratter un tout petit peu. Ah, on va faire les rapsacs. Hein, hop. 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 Parfait. Alors, est-ce que déjà on peut lier nos deux trucs ensemble? Oui. Puis, je suis loin. Ouais, je suis trop loin pour que je puisse faire quelque chose. Après, on peut mettre ça. C'est pas un souci, mais ça fait un petit peu mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le courant. Ça va déjà commencer de produire. Et je vais aller chercher le... Je vais aller chercher le nécessaire. Hop, hop. On va déjà regarder que ça fonctionne. Hop, donc ici, on va pouvoir mettre la même chose. Ici aussi. Donc, prenons... Ah, allez, on a des problèmes. Ah, mais pourquoi hydrogène. Attendez, on a un souci de... Pourquoi ils ont pas le filtre, ceux-ci? Ça va ou bien? Vous me mettez tout du chenille à la mauvaise place, les gars. Hop. On a un problème de courant, mais c'était à prévoir. Bon, ben, on va tout récupérer, hein. Comme on peut pas trop savoir ce qui était bon. Hop. Voilà. On va mettre ceci. Oh bon les gars, je vais pas m'énerver. Hein. Je vais mettre ceci en attendant d'aller le chercher. C'est pas un drame si on a des convoyeurs ultra rapides. Hein. Hop. Donc, une fois qu'on a ceci, on prend ici et on met des petits éléments qui vont à l'intérieur. Et je croise les doigts, les amis. Je croise les doigts pour que ce genre d'éléments réussisse à fournir juste ce qu'il nous faut comme courant. C'est-à-dire qu'on fait un peu de l'auto-alimentation de nos machines. J'espère, mais j'y crois pas trop. Hop. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, on va voir si ça se stocke. En fait, c'est vraiment la question de est-ce que ça, si ça se stocke, c'est que c'est pas bon en fait. Après, au niveau courant, vous voyez, on satisfait plus que ce qu'on consomme, donc ce qui n'est pas très bon. On peut commencer déjà par enlever ceci pour pas que ça nous produise du courant. Voilà. Comme ça, on produit moins de courant. Donc, on a une plus grande consommation et on va voir si on peut faire quelque chose. Sinon, comment on va faire pour que ça pose pas de soucis? Ça va être la grande question. Alors, faire des immenses stockages, c'est une solution, mais je crois pas que ça va être super agréable. Bon, ben, ce qu'on va faire, les amis, hop, ça déjà, on va mettre en route aussi. Après, la solution, c'est juste simplement de produire plus sur la planète. On va peut-être faire du titanium, on va voir. Bon, les amis, je vais chercher quand même de quoi continuer parce que on va faire ceci. Je vais alimenter cet élément là, mais par contre on va voir ce qu'on fait. On va peut-être faire quelque chose d'autre. Ah, par contre vous voyez, on produit pas assez d'énergie, donc c'est déjà très bon pour nous. Ça veut dire que on peut déjà mettre plus de machines de production. Ça c'est déjà très bon. Par contre, qui dit manque de production? Bon, après, ça consomme énormément. Je vais laisser charger, les amis. On se retrouve juste après. Bon, bah les amis, cette fois-ci, j'ai terminé. On a même, j'ai fait un petit peu plus ce qui était prévu. Puisque on a les graphènes et je les ai même convertis directement en carbone nanotube. Comme ça, c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai remarqué que pour les éléments information matrix, si on prend l'élément fibre particule, moi j'appelle ça la fibre optique, mais particule brain hand, on a besoin, vous voyez, de cet élément. Donc autant directement le fabriquer. Et là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va directement se diriger, on va retourner sur notre système solaire à nous, de départ. On va aller sur une de nos planètes pour fabriquer le cristal silicone et on va essayer de fabriquer en même temps le circuit board et on va essayer de construire les micro-crystalline components puisque c'est des trucs qui sont assez simples.
Et comme ça, si on a ceci, on va pouvoir facilement faire le processeur. Donc, on va faire le processeur sur une planète, puisqu'on va essayer de fabriquer ça et ça pour fabriquer ça. Et comme ça, on a juste à aller chercher ceci qui sera beaucoup plus simple. Donc, je suis full charge, c'est parfait. On va dézoomer, on va retrouver notre planète sur laquelle on doit aller. Hop, on a notre petit trait, c'est parfait. Ouais, franchement, le petit trait, les amis, c'est une tuerie maintenant. Hein. De pouvoir facilement savoir facilement où aller, c'est vraiment une tuerie. Alors, on se met dans l'axe. Je bloque, je mets super vitesse et on avance. Donc, le but sera encore de faire ça, je pense, pour cet épisode. Et la prochaine fois, on attaquera donc le silicone, puisque ce sera quand même un élément important. Et on essayera de fabriquer les matrices complètes, comme ça on pourra les mettre en route et on aura tellement de recherches, les amis, à produire. Donc ça va être assez ouf. Juste pour un titre d'information, juste pour vous donner l'info sur les... Je suis obligé de couper, j'aurais dû mettre ça. Hop. Pour nous produire du courant, pour que ça diminue un tout petit peu plus lentement, parce que là on est assez loin. Ça va prendre un petit peu du temps. Quoi, je peux pas. Zone d'énergie. Oh, j'ai pas assez d'énergie. Bon, les amis, on se retrouve droit sur la planète. Comme ça, ça sera plus simple. Bon, les amis, on est arrivé sur la planète et j'ai fait nos petites constructions. Donc, on a mis le cuivre qu'on a en fabrication. On a le fer, les plaques de fer. Je ramène tout pour faire nos circuits. Donc là, on a déjà la quantité de circuits nécessaires pour faire nos processeurs, hein, donc pour les processeurs qui seront ici, on a déjà les quantités. Par contre, je suis arrivé sur un gros problème, c'est que au niveau silicone, en fait, on n'a clairement pas assez. Il faut qu'on recherche de nouveau sur des nouveaux systèmes solaires si on trouve des endroits où on peut fabriquer facilement du silicone, parce que il nous en faudra dans les 2500 ou 2600. Je crois 2300, voilà. Il faut 2300 de silicone au total, de plaques de silicone. Donc c'était juste pas possible de le faire ici. Donc bah, ça va être ma petite recherche pour la prochaine fois. Et je vais faire quelques éléments pour qu'on puisse avancer très vite. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer dans le prochain épisode. Donc là on a les plaques. En attendant, je suis en train de les stocker. Donc vous voyez que on aura un bon petit stock déjà fabriqué. Et on va encore regarder ensemble pour cette fin d'épisode. Par contre, c'est quand tu veux, hein, pour me faire des convoyeurs. Faudrait vraiment que je me fasse une petite usine de convoyeurs, ce serait vachement pratique. Et ici, on est en train de faire les cristals. Alors, c'est pas les cristals de quartz qu'ils appellent ça, c'est les cristals de silicone, pardon, que je suis en train de fabriquer et que je suis déjà en train de stocker. Tout ça, il me faudra bien sûr une station et je m'amuserai donc à les renvoyer en direction de notre base. Et j'ai toujours pas de... Alors franchement, là, les objets, j'ai de la peine à les voir. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes toujours en galère pour trouver vos objets dans votre inventaire. Alors ici... Et j'en ai encore 15, mais je pense que ça suffira pas. Non, juste pas. Est-ce qu'on a bientôt fini? Ouais, on aura bientôt fini. Et je vais intégrer encore ce flux de matériel ici à l'intérieur pour en fabriquer un maximum. Donc, c'est plutôt cool. On a plutôt fait de l'avance, je dirais, sur cet épisode. Même beaucoup d'avance, même si on ne croirait pas. Mais il ne nous reste plus grand-chose à faire, en fait. Si pour la prochaine fois je vais faire le silicone, on fera juste le silicone, on fera le plastique. Alors là, il faudra que je réfléchisse pas mal pour voir comment on va faire ce fameux plastique, mais on devrait s'en sortir. Avec le plastique, une fois qu'on a le plastique, on a le silicone, qu'on a les circuits élémentaires. Là, c'est quoi? Attendez que je reprenne le nom exact. Donc on a les micro Staline components. Une fois qu'on a ceci, ben on a tout en fait. Donc on va pouvoir faire donc les informations matrix. Donc je pense que pour la prochaine fois, les amis, je vais regarder pour que ça se soit fabriqué. Comme ça, on a juste le plastique à faire. On a juste le plastique. On aura les processeurs et les particle components, les particle board, pardon,
et comme ça on pourra faire les informations matrices. Et après on pourra se mettre à la recherche, même si je crois que plutôt les recherches, on aura besoin plutôt des éléments verts pour la suite. Je crois que les violets, c'est déjà bien parti, hein, si je fais vite un tour. Violet, vert. Ah, je pourrais encore faire celui-ci, je peux les activer, hein. De toute façon, comme ça va me vider un tout petit peu les réserves. Mais je pense que normalement, on devrait plus avoir grand chose encore disponible. Bon, bah les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications et allez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao ciao ciao!